Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Subsistance, toujours en compagnie de Tatastrophe. Coucou Tata. Coucou mes petits choux, coucou Flo. Du coup cet épisode est filmé à la suite du précédent, donc on vous laisse avec les images. Amusez-vous bien, bon visionnage. Ah oui, je les ai remplis moi les gourdes donc... Flèche, une chose ça, mais avant, faut réparer. Allez go, réparer tout ça, il me faut du verre. Et du coup il nous faut une balustrade. Une balustrade, planche et ferraille. Planche et ferraille. Va falloir refaire des planches et des bâtons et peut-être des cordages aussi. Ouais, des cordages aussi. Pour faire un peu de tout en fait pour construire. On a que 200 de bois, hein. Moi je veux bien faire des cordages, mais. Ouais, mais j'en ai des 104 sur moi. Hein. Moi je fais les cordages alors. Ok. Alors ça va. Donc là c'est une d'escalier qu'il faut. Voilà, ça va arriver. Il y a une éolienne aussi à poser. Ah oui. Panneau solaire, tu veux dire. Oui. Je veux tellement une éolienne que je pense qu'à ça. Ouais, bah le prochain coup, on fera une éolienne. Ouais, mais... Plantation, quand même. Chaque chose en son temps, voyons. Ah, un pêcheur. À moins que ce soit toi. Non. D'accord. Je suis sur le toit. Ah oui, forcément, ça peut pas être toi. Il est où lui? Il doit être en face. Mais bon, il est pas gênant. Ici, c'est bon. Un petit coup là. Les escaliers, c'est bon. Est-ce que ça serait fini là? Allez, c'est bien. 9 planches, 70 de bois. D'accord, celui qui était juste au-dessus de nous, maintenant il est plus au sud. Ah, ok. Même. Et celui qui était au lac, maintenant. Entre le nord du lac et nous, il est donc au nord-ouest de nous, quoi. D'accord. Vers Hortastique. Juste au bas de Hortastique, tu sais, côté notre côté de Hortastique. Ouais, d'accord. Où j'étais tout à l'heure. Bah maintenant il y a un rogue là. Si, pour tourner, c'est bien ça. Ah. Pourquoi ça marche pas? De quoi? Je peux pas tourner ma. Balustrade. Mais tu fais avec 4 avec 4 ou 6. La seule, ça a dû être encore. Normalement, c'est le pavé numérique. Bon. Oui. D'accord. Regarde tes contrôles. Ok, c'était juste ça. Le vernum qui s'est enlevé. Oh, ah, voilà. Verrouillage numérique, ouais. Ça, ça n'a rien à voir, ouais. Donc ils et sont donc là. Par là alors. Okay. On peut tourner, voilà. Nickel. Le panneau, le panneau solaire, c'est bon. Il est posé. Ok, parfait. On va aller voir ça quand même. C'est vraiment une petite miniature. Oui. Bien. Et améliorer tout ça, on était où? Les deux étaient faits, donc on fera le troisième en temps voulu. Très bien. Je pensais que là, il serait peut-être judicieux tout doucement d'envisager de fabriquer la machine à se faire des trucs
pour aller sous l'eau et tout ça, tout ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Une troisième flottation, ça peut attendre. Uh-huh, 200 masses, ouais, c'est bon. Ah, il faut faire 5 circuits par contre, imprimés. Mmh. Bon, on peut les faire maintenant. On peut, voilà, on peut en faire maintenant. 15 d'énergie par électronique. Tu peux en faire 4. Tu peux en faire 4, il faut surveiller pour faire le cinquième dans les secondes qui viennent. Alors, le marteau il sera bientôt mort, le fusil pour le réparer. Je sais pas ce qu'il faut. Ça et ça. Ah oui, je sais ce qu'on avait dit qu'il fallait faire d'urgence. C'était un autre stockage d'énergie. Ah. 2000, on est juste. Hein. Il faudrait monter à 2005, hein. Au moins 2005. Putain, par contre, j'ai bouffé tellement de balles. C'est ça qu'il faut faire. Oh. Ah putain. Ah. Voilà, c'est bon. Non, bah, d'ici, je vais pas pouvoir agir, oui, je descends. Aïe. Ah, ça t'es mort. Waouh, bravo Pascal, le headshot. Ah, con. Mais il se barre, ce con. Okay. Non, se barre pas derrière l'arbre. Aïe, connard. Merde. Il va venir sur moi de toute façon. Oh mais. Viens mon con, viens. Non non. Non, il m'énerve. Et voilà, maintenant il bouge plus hein. Je suis en train d'armer. Si, il bouge. Oui, là où je peux pas l'atteindre. Oh putain bâtard. Voilà! Ah, quand même! Ouais, c'est peut-être temps. Ouais. C'est dingue. J'ai du mal. Normalement, ah ouais. Il tombe mon cadavre. Parce qu'il tire partout, les mecs. Et pouf! Tu peux les récupérer? Oui, tu vas récupérer, vas-y. D'accord. Chacun son loot. Moi, chacun son mort, j'ai envie de dire. Bah, il y en a un là. Celui qui est juste sous la base. C'est moi qui l'ai pris. D'accord, il y en a un là. Il y en a un là. Par contre, le saignement, s'il s'arrête pas, je vais crever. C'est tout, hein, il y en avait. Moi, ouais, j'en ai récupéré deux, c'est ça? Merde, ça, c'est un loup. Ah, peut-être, je sais pas, j'ai tué un mec. Donc, je sais pas combien t'en as tué, toi. Et t'as récupéré un sac? Oui. Voilà, ça fait trois sacs, c'est bon. Ouais. Bon bah 8 PV quoi. Bonne journée. Voilà. Je venais de réparer bordel. C'est fou. Oh la vache. Oh j'ai encore plus de mun. Allez. Pour les réparations, on n'arrête pas. Bon je vais rechanger, hein. Je vais prendre le SVT parce que. Ah, une flèche là, cool. Là, ici, voilà. Ouais, un petit coup. Ok, là c'est bon. Comme il n'y a plus de balles de 44, mais il y a plein de balles de SVT, là. J'échange. C'est moi, ça monte, ça descend. Bah, moi j'alterne selon les balles qu'on a. Ouais. Alors que moi j'ai toujours les mêmes. Ça, ça et le. Bah, comme j'aime bien je l'aime bien le 44. Ah, oh, mais je sais, pour ça que je te blesse. Mais voilà, quand il n'y a plus de balles, voilà, je change, hein, puis voilà, je prends pas la tête. Donc, ça, ça va là. Ça, ça. Ah, bah, il avait une brique, le mec, sympa. Un petit morceau de viande. Ah, oh, et puis des asticots aussi. Alors les perles, le cuivre, voilà, bah, je peux ranger donc les circuits, bon je les laisse où ils sont bien.
au chaud. Pioche, une pioche de secours, donc c'est parfait. Tiens, allez hop, on va commencer par ça. Tiens, je vais manger un petit bout de lapin. Voilà, de lapin, de poulet. Et non, c'est pas ça, je veux ça. Le minerai. Allez, promenade. Coucou petit lapin. On est encore en février. Hein. Ah. Il y a un minerai ici. Ouais, c'est la fin du mois. Ok. Effectivement. Petit lapin. Tué. Découpé. Au revoir, petit lapin. Désolé, mais c'est pour combien? Ou bien. On va savoir. Bon, 42 PV, ça va pas faire grand chose. On va sortir, mais on va faire attention quand même. Tu es parti de quel côté? Steeper Lake. Enfin, vers Steeper Lake. Ok, oh, ah, ben c'est non, pas possible. Je reviens. Je suis derrière encore. Je reviens. Coupé. Aïe. Coupé. Tu vas où? Reviens, c'est pas beaucoup de vie, merde. Je suis là. Oh là, on chier. Ah, la grenade sur le rocher. Oh merde. Un sous la base. On a tout ce là. Bien joué. Moi, je vais juste prendre un bandage pour me soigner et j'ai rien fait. Il n'y avait pas un autre par là? Sûr. Ok. Il y en avait deux, t'as tué les deux. Oui, c'est bien. On va se faire un bandage. Fabriquer. Bon, bah c'est que 23 PV, 24. Du coup, le temps que ça remonte, petit AFK. Je coupe mon micro. Vu que je sors jamais, que c'est pas beaucoup de vie. Voilà, j'explique avant quand même. Oui, oui, ça vaut mieux pas. Ouais, à tout de suite. Ah, je sais ce que je vais faire du coup. Normalement. La deuxième rangée de coton et de tomates devrait être mûre. Voilà, il me semblait bien. Comme c'était presque mûr. Ne gâchons pas une demi-journée de soleil. Hop. Et on replante. Allez. Trois tomates. On va mettre que les trois tomates parce que si on tombe sur un coton. On va lui extraire une autre graine. 4 tomates, pas ben grand chose par là. Ah, bah, juste au moment où je dis ça, je vois une caisse. C'est chaque fois pareil. Ah là là, avec des clous. Tiens. Ah, il neige. Oui, monsieur le loup, je te fous la paix. Je suis tour. Des fleurs bleues, il neige. Oh merde, un gros là. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Il y a une caisse, bien sûr. Bon. Flo va gueuler, mais voilà. Moi, je me suis fait du steak de loup. Hein. Celui-là. Oui, tout va bien. Oh, oui, t'as fait du steak de loup. Non, les, encore. C'était moi. Je nettoie les mutants. Tu sais, je me crois encore dans Seven Days. Oui, c'était un loup avec. Oui. C'était un loup blanc avec deux fois. Juste comme ça que t'as dit. Ah, Inès, c'était déjà là. Ah. Voilà. Ah. Petit con. T'es un petit con. Je sais. Et puis c'est tout.
Ah, j'ai rien pour cette fois, c'est bon. Oh ben je vais pas me blanc cul, puis il y avait une caisse à l'envers, hein. Avec des clous la caisse, hein, tu devrais être content. Puis je te dis, je nettoie les mutants. Un loup mutant. Oui, oui. Avec deux fois. Ah, trop mieux. Ah ben c'est un loup mutant. Ouais. Là, c'est ferme de bois parce que 53 PV. Bah ça va, t'as remonté. C'est bien. Ouais, mais je suis juste quand même. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu juste. Je vais m'amuser avec des loups, ok. Combien de flèches? Une dizaine. Merde, encore un loup qui va me faire chier alors que j'ai une pièce là. Ah. Désolé, mais. Bah, il est passé où? Touché. Ah, ah, j'ai le touché. Ah, j'ai le bug où ça dépop. Putain, je rentre. Quand je m'approche, ça dépop. Je peux pas. Ah, il est pas mort. Il a un PV, quoi. Il est pas mort. Il m'a tué, fils de chien. C'est le cas de le dire. Ah, c'est très mal joué. La vache. Puis, Dieu que j'aime pas ce bug. Lequel du coup? J'étais un peu concentré. Ben quand je regarde le loup, il est pop. Alors, dernière fois que ça m'a fait ça, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai shooté le loup. Donc il a bougé de place et là j'ai pu ramasser. Bah ouais, mais. Et t'es loin ou t'es pas loin? Non, je suis à Stiffer Lake, mais. Voilà, c'est ok. Bah, on n'est pas à loup près, c'est pas grave. Ouais, mais je vais essayer de récupérer mon corps pour commencer, ce sera déjà pas mal. Et vraiment arrêter les fights parce que ça va pas. Alors, il y a de nouveau un peu de neige et ça fait du bruit quand je marche. Alors, je savoure. Casse-toi, mon con. Aïe! Ouais. Non, c'est bon, tout va bien, tout va bien, tout va bien. D'accord. Moi je me régale parce que ça fait du bruit quand je marche dans la neige. Bon, ce glitch un petit peu, mais c'est pas grave. On va former l'arbre. Ça glitch un peu. Il y a de la neige et des jolies fleurs roses. Et un cochon. Ah, c'est loupé. Nul à chier. Et bah je fonce direct sur le loup, moi. Ah, oui, je t'avais pas vu, monsieur loup. Merde. Je croyais que t'étais de la neige. Je sais pas s'il est encore derrière, ce con. Il est là. Il y a 10 PV. Ouais, non, c'est pas. Ah, j'ai loupé, j'ai loupé. J'avais les mains, moi. Fils de chien, t'es mort. Ah, bordel. Je suis vengé à la pioche. Que 12 PV, mais tant pis. Fumier. Et donc, c'est Forlake, chez nous. Chez nous, chez nous, chez nous. Ça va être par là-bas, ouais. Donc, c'est Forlake. Par là-bas. Ça va être un peu trop tard, là, non? Pour quoi faire? Pour récupérer le loup. Ah oui, non, c'est mort là, c'est le cas de le dire. Oui, du coup. Ouais, ça fait un moment quand même. Hein. J'ai eu le mien, c'est bon, tout va bien. Ça, et ça, on déchire. Et bandage. Voilà, c'est bien, on n'a rien perdu. Et puis on va faire des plans. Voilà, on commence la production pour je sais pas quand. Petit loup, je t'ai vu. On la filme. Petite poupoule. Pourquoi pas? Ah, viens là, poupoule, il me faut des plumes. Il neige un peu beaucoup quand même là. Je vais peut-être rentrer à la maison. Hein. Voilà, poupoule. Il y a le vent qui se lève.
Moi j'ai pas besoin de rentrer, je peux juste à côté. J'ai pas bougé de là. Encore une fois. Ah, que j'oublie que le camp de Rogue est en bas de Stifler. Ouais. C'est fou quand même, la dernière fois j'ai tué un élan. Et là je suis nul à chier. Ah oui, non mais là c'est un vent blizzard là. Le dernier blizzard de l'hiver, mais. Ça souffle hein. Il fait 5 degrés. Très bien. Et on reste 2 ici. Non, 2. D'accord. Parfait. Arbre suivant. De toute façon, même si j'étais loin, je fermerais que du bois. Tout le temps. Ouais, il me reste quelques caisses par là, ce que je vois, donc. Non, parfait, je les prends. Comme dirait Tata, c'est une journée à farmer. Et là, je suis bien d'accord avec toi. Ah ouais, là, c'est une journée à farmer du bois. Hein. Et pas à faire comme je fais, c'est-à-dire se balader dans les bois. Ouais. En se baladant, on trouve le loot. On fait saut dans l'eau, pire. Ouais, on se trouve dans l'eau. Non, il fera meilleur dans l'eau ou dehors? Non, il faisait 5 dehors, il fait 4 dans l'eau. Ah oui. Y'a rien là-dedans. Ah mais si, du côté là. Petit minerai. Ouais, quelques varecs, un minerai. On a déjà vu mieux. Un varec, ok. On se retrouve là. La petite musique du bûcheron. D'accord. Quand j'ai découvert ce jeu avec Onoko, c'est ce qui m'a marqué. Ah ouais. La petite musique du bûcheron, puis il chantonnait parfois, tu sais, justement, tu qu'il faisait. Et ça m'a marqué. Pour moi, c'est vraiment ça, subsistance, c'est cette petite musiquette du bûcheron. Je connais pas. Et quand on, ben là, quand on coupe le bois, le bruit que ça fait un rythme. J'ai jamais fait gaffe. Tam, 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 tadam, tam, tam. Tam tadam tam 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 tadam. On va voir ça. J'appelle ça la chanson du bûcheron. Une musique de tam 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 tam. Non. Tam tadam. Tam tadam. Non. Si. Ça fait tam 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 tadam. Tam tam tam. Oh, t'as pas l'oreille musicale hein. Non, effectivement. À vous de nous dire en commentaire. Allez, je rentre. Ça, ouais, moi bon. Je suis en train là. Ah, j'ai une sacoche là, par contre. Bon, du coup, il y a eu un cut de farm de bois et craft de planches. Voilà. Vous avez parce pas que la tempête était très forte et on s'en rendait plus penser. Ouais, et puis la nuit, elle est arrivée. Un peu tard là, et ça sera bien pour aujourd'hui. On va pouvoir rentrer. Ouais, ah, aucune minerai, ça m'intéresse. Ça y est bien, on termine sur un minerai, c'est parfait. Allez, holy, je m'en au chaud.
Oh les feux. Ah ouais. Bravo. J'ai été rechargé hier, mais... Ah. Tant pis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14. J'aurais fait 34 planches, c'est déjà ça. 34 et moins beaucoup. Et je ramène 24 de bois, non. 34 planches, 24 de bois, 47 clous, c'est pas dégueu. Ça ramène 0 de bois. Et 35. Beaucoup. 7 et 7, 14. J'en ai 14 plus 35. 49. Je sais pas de bêtises, ça fait 49. On va ranger ça, ça. Non, ça j'en ai besoin. Et l'autre feu il pue ? Oui, j'arrive. Ça avait la brique sur moi, mais c'est autre chose. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça sera bien. Je vais l'allumer, c'est bien. Ranger tout le bordel. Les planches, je vais les garder pour le moment pour voir ce que j'aurai. Ça, du au frais et la graisse. On a que deux. Et là-dedans, il n'y a pas de graisse. Je viens de l'enlever, c'est pour ça. Ah, ok, ça commence à réduire. On en a une centaine, pas plus. On fait quoi là-dedans qu'on a dit? Le stockage. Dans quoi? Ouais, un stockage d'énergie parce que... Ça coûte rien, c'est bien. Oui, voilà, on en a vraiment besoin. Non, ouais, c'est surtout... Donc, le stockage d'énergie... Plus sur plus évidemment. Donc je vais diviser ça en deux, voilà. J'ai divisé les clous en deux tata pour pas qu'il y ait des trucs qui se stack là. C'est chiant. Ça dégage. Allez, viens là toi. Ça arrangé et ça arrangé après. Ouais, 42 planches. C'est bien. Il me reste 4 planches, il y en a 79, ça fera 83. Avec pas mal de bois. Les clous, c'est pas fou, les cordages, ça passe. C'est raisonnable. Les plantes, ça a été fait ou pas? Oui. Ouais, bah super. Là. Plus rien à faire. Un peu d'eau là-dedans, au pire. Ah, t'as pas remis ton engrais dans la deuxième, du coup? Ah bah non. Parce qu'on en met pas, alors j'en ai pas. Bah mis. Des fois, si, vu qu'on a plein d'engrais, donc... Ouais. Donc la maison. Un peu. Ah, je suis bah, 88, oui. Là. Ah, on a du jus. Plein de choses, voyons. Pas du stockage. Ah, oui. Il est où? Voilà. Oui, il est là. Là. Devant mon nez. Oh, ouais, je vois. Je l'avais mis là, mais tout compte fait, je viens de le déplacer. Je suis en train de voir pour la miniature. Tu peux venir à côté, Tata, pour la miniature. Je regarde où sont les méchants, ils sont encore déplacés, ils m'énervent. Enfin bon. Ceux que mes viewers attendent. Bah t'es où? Moi je suis à l'étage, mais mets-toi à côté des stockages. Qu'ils soient sur la miniature. Y'a un pêcheur. Ouais, il est bien. Plus à droite, je dirais. Ah, derrière les stockages. Voilà, par là. Ah oui, je te vois. Ouais, t'as bien comme ça. Je crois qu'on peut masquer les icônes, non? Ah non, c'est sur cette date. Oui.
Non, non, tu peux. Tu peux. Allez, contrôle. Pas F5. F5, c'est pour t'es mort. Je suis plus dans quoi c'est. Non, bah, pas F11 non plus. Désolé, on fait les tests en même temps. Non, mais il y aurait du F12 pour la sauvegarde. Non, pour la capture. Et non, on peut pas enlever, ça doit être sur 7 Death to Die, Tata, qu'on peut enlever le HUD. Oui, sur 7, on peut enlever le HUD, il me semblait qu'on pouvait là aussi. Non, je sais pas aussi. Bah non, là on peut pas non. On peut pas. Bon, bref, voilà. T'as pu me photographier ? Oui, c'est bon. Du coup, vous saurez, on peut pas enlever le HUD. Voilà. Même nous, on savait pas. Je me souvenais plus. Oui, et puis avec tous les jeux qu'on fait à côté, forcément. Donc, il y aura l'eau. On va attendre. Mince, pourquoi je mets ça dans la caisse ? Deuxième feu. Mais calme-toi, ah, mec. C'est le pêcheur qui a des problèmes. Il faut boire, il faut manger. Là-dedans. Ça. On va pouvoir refaire de la viande. À la prochaine nuit. Ah, il est là. Non, pas mal. La petite gourde qui ira bien après. Il est là, le pêcheur. Il repart. Ok. Tu attaques quoi du coup? Non, non, c'est un pêcheur. Très bien. Et bah, du coup, on peut attendre voir qu'est-ce qui se passe. Ça tire là, dis donc. Ouais, mais on dirait que c'est encore le pêcheur. Oh, bah, il a enlevé sa lumière bleue. Alors, il s'en va tranquille. Très bien. Et bah, du coup, nous on va se quitter là. Et on se retrouvera pour la suite au prochain épisode. Salut! Ouais. Salut tout le monde! Ciao, ciao!